Alors, comme beaucoup de jeunes hommes, pendant beaucoup d'années, j'ai souffert de la calvitie au niveau de là et derrière. Et bon, j'ai essayé de cacher par plein de moyens, avec les cheveux longs, les casquettes, les bonnets. Et je me suis intéressé à tout ce qui était greffe de cheveux. J'ai vu Ersure Istanbul sur Instagram. J'ai vu que les résultats étaient monstrueux. Je me suis dit qu'il était temps d'aller. Une grosse peur était là parce qu'on part dans un pays inconnu. On ne connaît pas la langue. Mais du début jusqu'à la fin, j'avoue que j'ai bien été accompagné. Ça m'a vraiment rassuré. Aujourd'hui, même si bien sûr que j'ai peur de ce qui va se passer, des résultats, etc., je suis quand même assez confiant vu l'équipe qui est là avec moi, qui est venue me chercher, l'hôtel était monstrueux. Et voilà, maintenant j'ai plus qu'à attendre les résultats. Et si vous avez vraiment un gros complexe, faites-le parce que ça change la vie. Alors, pour la procédure, j'avoue que ça a été indolore, à part pour l'anesthésie qui pique un peu. Voilà. C'est pas si fatigant que ça vu qu'on sent quasiment rien. C'est plus le fait d'être allongé pendant longtemps qui peut être gênant. Mais sinon, l'opération en elle-même, elle est largement facile. C'est encore moins douloureux qu'un tatouage. Alors franchement, moi ce que j'attends, c'est naturel, ne pouvoir aller dehors, qu'il y ait le vent et que je me pose pas de questions, de pouvoir avoir une belle densité, de pouvoir faire des coupes, de pouvoir me couper les cheveux, de les laisser pousser sans me poser de questions. Voilà, ça c'est le plus important pour moi. Ah, j'aimerais bien une belle coupe en arrière où je peux les plaquer en arrière pour cacher un peu les grandes oreilles. Non, ouais, ça serait le top, ouais. Alors d'abord, je vais faire court pour faire le beau gosse et puis après, on verra pour les cheveux longs, ouais. Alors pour les personnes qui veulent faire la greffe, je sais que c'est une épreuve parce que c'est pas rien finalement. C'est vrai qu'en le faisant, on voit que c'est pas rien, que c'est quand même une opération, que ça prend du temps, que c'est contraignant après. C'est quelque chose, si ça vous complexe, il faut le faire. Moi, ça m'a pourri la vie pendant très longtemps. Et aujourd'hui, je suis très très content de l'avoir fait. Alors là, maintenant, j'attends qu'une fois, c'est les résultats. Et de pouvoir me la péter auprès de mes potes. Dernier message, c'est de... Si vous avez les moyens, si vous avez le courage, c'est de vous décomplexer en faisant une greffe de cheveux. Parce que vivre avec un complexe, c'est pas une vie.